s'amuser à la fête de la musique. Les enfants ont insisté pour venir, c'était de la bonne ambiance. On essaye de venir régulièrement. C'est sympa, la ville organise quelque chose, il y a des activités, il y a de quoi manger, c'est cool. La musique, l'ambiance, les gens, et retrouver ses amis. On a simplement contacté la mairie et ils ont accepté de nous produire pour la soirée. Ça fait vraiment plaisir, il a dit. On s'attendait pas à ce que autant de monde, c'était impressionnant et ça fait plein de frissons quoi. On s'éclate, on s'amuse et on prend beaucoup de plaisir à être sur scène. La première fête de la musique de mon enfant, simplement. Il était trop petit avant, là il a un peu plus de 2 ans, on s'est dit que ce serait bien de lui faire vivre cet événement tout simplement. On voit qu'il y a plein de familles, plein de parents avec leurs enfants. C'était important de partager ça avec notre enfant aussi. Je suis assez content de cet univers familial, voilà, c'est ce qu'on cherchait. On propose aux gens un questionnaire sur le réaménagement de la place de Molène. Et on espère qu'on aura encore une plus belle place pour accueillir encore plus de monde. On n'a jamais vu une fête de la musique comme ça au Mûrier et à Saint-Maur en général. Les Mûriers en force, comme toujours. On va aller vers le Libanais. C'est notre premier passage effectivement, très cool, très bonne ambiance, les gens sont très sympas. On y reviendra à Saint-Maur, on aime beaucoup la ville. Petite pita de l'As du Falafel. On est récemment installé à Saint-Maur en tant que brasseur, la brasserie Troyenche. Et on est très content d'être là, voilà, parce qu'il y a une super ambiance ce soir. Évidemment avec modération. Encore une fois, un grand succès cette année pour la fête de la musique. On compte à cette heure-ci plus de 6000 personnes. Vous avez les enfants, vous avez les ados, vous avez les parents. Et puis il y a même des grands-parents. Et le début de l'été, bel été à Saint-Maur.